De pétale en sépale, il découpe, il plisse des morceaux de rose bleue. Et la roue du moulin rythme l'eau de sépale à fleurs de courant. Construire au fil du limon des étamines d'artifice pour les grands couturiers, métier sans nom que celui d'Emmanuel. Ce site s'appelle la Fleuristerie depuis 1903, puisque c'est un moulin, donc la roue à aube du moulin va entraîner l'ensemble des machines de la production. Et l'arrivée de ces machines sont liées aux premières délocalisations venant de Levallois-Perret, près de Paris. Les établissements Briançon fabriquaient déjà des accessoires pour la fabrication de fleurs artificielles. Alors ils utilisaient une machine à vapeur qui devenait de plus en plus coûteuse, donc ils ont trouvé le moulin d'orge à racheter, de façon à pouvoir déménager l'ensemble des machines qui datent encore de la fin du siècle dernier ou même du début du siècle. Et à partir de ce moment-là, ils ont lancé l'industrie de la fleur artificielle ici au village. Mais c'est vrai que sur le site de la fleuristerie, l'eau va rythmer l'ensemble de la vie du moulin, puisque les premières traces du moulin datent de 1321. 1321, on est à l'époque, donc au Moyen-Âge, et lors d'une charte d'affranchissement, le moulin est cité, puisque les gens qui vont acheter leur liberté sont obligés d'utiliser le moulin d'orge en 1321 déjà. L'eau qui est ici la richesse énergétique du site provient de deux sources résurgentes qui correspondent à la confrontation du massif jurassien et du bassin parisien qui donc va créer des failles et les nappes phréatiques vont pouvoir ressortir par ces failles. C'est-à-dire que les deux sources qui sont sur le site correspondent à ces failles et donc vont pouvoir alimenter la roue à aube du moulin toute l'année sans problème d'irrégularité de débit et donc qui vont permettre la production de nos accessoires toute l'année. En 1903, nous sommes au début du siècle, l'industrie de la fleur artificielle est importante. Rapidement, les établissements Briançon, ici à Orge, vont avoir besoin de personnel. Et ce personnel, c'est essentiellement des jeunes filles qui viennent des villages alentours, qui vont pouvoir venir travailler aux ateliers, souvent avant de se marier. Alors il y a eu jusqu'à 40 jeunes filles qui ont travaillé dans les ateliers, et ces jeunes filles ne rentraient donc pas tous les jours, puisque les moyens de locomotion sont quand même difficiles au début du siècle, et vont être logées sur le site grâce à un dortoir et un réfectoire où ces jeunes filles vont pouvoir rester une semaine, voire 15 jours. Alors le fait que 40 jeunes filles soient rassemblées ici, c'est vrai que ça donnait une certaine émulation au niveau des jeunes hommes du village. Et par rapport à ça, par exemple, il existait des barreaux aux fenêtres de ces dortoirs et on ne sait toujours pas si c'était pour empêcher les jeunes filles de sortir ou empêcher les garçons de rentrer. Mais toujours est-il que la bonne moralité de ces jeunes filles était bien gardée puisque un homme du village maintenant âgé, dont je tairai le nom, me racontait qu'il avait reçu une salve de grains de sel dans les fesses parce qu'il s'était approché un peu trop près du dortoir. Les ateliers ont bientôt 100 ans, ont eu une petite interruption lors de la Deuxième Guerre mondiale et ont toujours fonctionné jusqu'à nos jours. Nous avons donc repris cette entreprise en 1994, au mois de mai. Et à cette époque, je travaille dans un grand groupe international à Stockholm, donc en Suède, où je suis chef de produit international.
Mon épouse, Annette, qui est suédoise, travaille en tant que chef de produit. Et on décide de reprendre ces ateliers ensemble de façon à pouvoir faire vivre ce savoir-faire qui correspond aussi à une tradition et qui est unique en France. La reprise des ateliers a été facilitée du fait que je suis originaire du village, donc l'intégration a été d'autant plus facile et rapide. Au début du siècle, il y a 40 personnes qui travaillent ici aux ateliers. Aujourd'hui, nous sommes 3 personnes permanentes plus des intérimaires. Et ce qui correspond à l'évolution d'un marché de la fabrication de fleurs qui s'est délocalisé sur les pays asiatiques. Alors que notre activité va être de pouvoir fournir l'ensemble des gens qui vont réaliser des fabrications de fleurs ou des créations avec la matière première, c'est-à-dire les pièces détachées. Nous allons pouvoir fabriquer les accessoires pour les fleurs dans différents domaines et donc donner cette possibilité aux gens de fabriquer et réaliser des décors floraux eux-mêmes. Quand on se retrouve dans une entreprise comme la nôtre qui doit répondre rapidement, qui doit faire preuve donc d'initiative, de flexibilité, il est vrai que le personnel doit être complètement plongé dans cet état d'esprit. Et c'est vrai que grâce, par exemple, avec Nadine et Nicole, il faut pouvoir être disponible. Et elles représentent, par rapport à leur savoir, leur savoir-faire, leur capacité à réaliser des choses, bientôt plus de 45 ans d'expérience à elles deux. La fleuristerie est le spécialiste en France des accessoires pour la création florale, c'est-à-dire que nous fabriquons les pièces détachées telles que pistils, étamines, bourgeons, cœurs de fleurs, fruits, tiges, qui vont être utilisées pour la réalisation dans la haute couture de fleurs en soie, dans les accessoires de mariée de fleurs en nacre, chez les pâtissiers par exemple pour les fleurs en sucre, chez les gens qui font de la décoration d'intérieur pour les théâtres ou même pour les salons, également pour les clubs d'art floral avec la fabrication de fleurs en papier crépon et les fabricants de fleurs en verre ou en porcelaine et même jusqu'aux écoles primaires et maternelles qui vont pouvoir réaliser des kits de fête des mères à partir des pièces détachées que nous fabriquons ici sur la fleuristerie. Par exemple, en haute couture, c'est vrai que ce sont des noms prestigieux et je vous laisserai simplement penser à quelques noms et vous ne vous tromperez pas beaucoup quant à nos clients. En ce qui concerne par exemple les gens qui fabriquent les fleurs en sucre, on va nommer le nôtre en tant que traiteur par exemple. On va nommer le Théâtre Royal du Danemark pour ses décorations, donc qui va pouvoir réaliser ses fleurs à partir de nos accessoires. Notre outil de production est certes ancien, mais adapté à la fabrication de nos produits et au marché. Mais à côté de cet outil de production ancien, on a toute une démarche commerciale et de marketing moderne. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire connaître ce savoir-faire qui est unique et en utilisant des techniques modernes. Par exemple, prenons le cas d'un créateur de mode à New York qui décide d'intégrer dans sa collection
un fruit doré, par exemple une pomme, avec quelques points d'argent sur cette pomme, nous sommes capables de lui réaliser. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir qu'il puisse nous trouver. Et c'est vrai que Internet est un des moyens de communication pour pouvoir promouvoir un savoir-faire à travers le monde. Les ateliers fabriquent toujours de la même façon qu'il y a bientôt 100 ans. L'utilisation des produits est toujours pour fabriquer des fleurs dans les différents secteurs que l'on a exposés, mais qui finalement vont s'adresser à des secteurs de marché différents, puisque aujourd'hui, nos pièces détachées pour la réalisation de fleurs va s'adresser à des personnes qui vont soit faire des produits de très haute gamme, soit donner la possibilité aux gens, au grand public, de réaliser eux-mêmes des compositions florales. Nous ne sommes pas sur le même type de marché que les produits asiatiques, puisqu'un produit asiatique va arriver fini, la décoration terminée, prête à l'emploi. Tu fais quel modèle, toi ? Alors, le même que Flo. Celui-là, il n'y en a pas, donc on va faire une autre. Moi, je suis marié. Il faut 3 pétales. Il faut une pétale. Donc, voilà. Un pétale. Il va être là, il va faire une pétale. On les connaît ? Les 3. Donc, c'est tu vas rentrer une piste. Fabriquer des pistils, des étamines, c'est un métier complètement extraordinaire, mais qui va permettre de rendre la possibilité aux gens de faire des choses qui soient sympathiques. Et puis faire vivre un savoir-faire, puisque la fleur, fabriquer une fleur, c'est quand même sympa, c'est quand même positif. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire vivre une entreprise à partir d'un savoir-faire comme celui-là.